Bonjour à tous, c'est Tagazok et on est parti pour l'épisode 9 d'Ultra Hardcore, enfin de ma série Ultra Hardcore que j'ai nommé Budur On Farm, bien que je n'ai pas vraiment nommé, c'est un petit peu le petit nom que je lui donne un peu en secret, référence à mon dernier KTP. Voilà, je peux pas en dire plus. Alors j'ai décidé, voilà, quitte à ce que beaucoup d'entre vous soient perdus, d'économiser un maximum mes ressources, c'est-à-dire mes enderperles qui ont été si compliquées à trouver. Est-ce que j'ai bien les sons? Oui, j'ai bien les sons. Peut-être monter un tout petit peu les... Bah non, je suis con, je vais monter là. Voilà. Mes ressources qui ont été si difficiles à trouver, donc... On va essayer quand même de... Ah merde, non, pas la pomme. Fuck! J'ai oublié que j'allais avoir besoin de pommes pour combattre le Nord Dragon. Ouais, en espérant qu'on ait ce qu'il faut pas loin. Hop, toc toc, ça je vire, 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 ça je vire pas, du coup on va pas refaire la même connerie. On va virer aussi ça. Voilà, on va se faire un petit craft très rapidement. Alors honnêtement, je ne me souviens plus du craft que je vais faire. Alors je le fais un tout petit peu à l'instinct, en espérant que ce soit le bon. C'est pas le bon, si c'est le bon, oui. Parfait. Je me souvenais plus du tout. Vraiment, je faisais ça au pif. Là. Ah, j'en avais qu'une. Merde, je pensais que j'en avais deux. Bon, tant pis, c'est pas grave. 1, 2, 3. Voilà. 8 Thunderpearl. 8 Ace of Thunder. Alors, je vais tricher. J'utilisais les cornes. Allez, je sais que c'est pas bien. Enfin, c'est pas vraiment tricher, mais. Je sais que c'est pas bien en soi d'utiliser les coordonnées. Mettre ça à cuire. Vite fait. Faut que je parte avec un minimum de choses. Là. Il va falloir que je sélectionne bien mes trucs. Il va falloir voilà, et pas deux. Je sais que je reviendrai ici si jamais j'en ai vraiment besoin. Ça, je le garde. Ça peut être très utile. Ça, je garde, ça, je garde. Ça, j'en garde un peu. Ça, je garde. Ça, je garde. C'est très important, ça. S'il vous plaît. Ça, je garde. Ça, il m'en faut absolument. Ça, il m'en faut absolument. Ça. Je sais pas, j'hésite. Bon, allez, ça. Pas évident, hein. Pas évident, pas évident. Attendez, j'ai pas du cuir ici. J'ai que 3 cuirs, ça sert à rien, je garde tout ça en fait. Attendez, ça sert absolument à rien que je garde tout ça si j'ai que 3 cuirs. Oh mince. Hop, le reste en fait ça peut rester ici. Je vais prendre mes furnaces avec, bien que peu utile. Combien j'ai de charbon? Ouais, ok, je garde tout. La sable de craft, je crois que je vais la prendre avec. Ah attendez, ça il m'en faut. Faut non, bon, j'en ai pas besoin en fait. Si vraiment j'en ai besoin, j'irai en recherche. Le quartz, j'en ai pas besoin. Il me faudra forcément des trucs que j'ai oubliés. Ah, je vais prendre quelques sugarcane quand même en fait, pour avoir du sucre. Ah, il me faut quasiment tout en fait. Et un stack d'os. Voilà, c'est bien un stack d'os. Si vraiment j'ai besoin de quelque chose, je reviendrai. Mais je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. On va faire passer la nuit. Alors j'ai décidé de faire la technique. Non, merde, j'aime pas le bruit que je viens d'entendre. Je vais faire la technique du calcul. Et ouais. Finalement, j'ai changé d'avis. Alors. Je vais essayer de vous l'expliquer, ça va être très compliqué. Donc on va mettre un petit F3 et on va prendre les coordonnées qu'il y a en haut à gauche. Alors là, elles ne nous intéressent pas, mais vous voyez par exemple, moi je suis sur le bloc 67, 61, 18. Ce qui m'intéresse c'est le 67 et le 18. Vous allez comprendre. Allez, on va y aller. On va essayer, alors je vais essayer, je sais pas, j'ai jamais tenté, ça tombe, je vais vraiment passer pour un con. Alors on va essayer de se trouver une zone extrêmement dégagée. Pour faire notre petit calcul. Ah non, alors le bloc que je vous ai dit. Ah bah c'est ici en fait, je suis presque en 0-0. Alors pour faire mon calcul. Alors on va essayer de se prendre une zone dégagée. Moi ce qui m'intéresse c'est juste les. Hé, coucou. Salut. Bah du sucre justement. Ah non, Hudson.
Ah ouais, mais attendez, je suis trop mauvais moi en fait. J'ai dit, il me faut un peu de redstone et j'en prends pas tout. Au lieu de prendre un stack complet, quoi. On va faire ça, on va prendre un stack. Hein. Voilà, meurs. Alors le principe, il va être simple, ça va être de prendre les premières coordonnées duquel on lançait et les deuxièmes. Alors pour le calcul, je vais peut-être devoir faire une toute petite ellipse de rien du tout parce que je suis pas très très bon en calcul. Mais ça va être très compliqué à vous expliquer le calcul. Je le sens d'avance, je sens le truc venir, que ça va être incompréhensible pour la moitié d'entre vous. Mais je prends le risque. Ah, c'est tout. Bon bah. Si c'est tout, bah c'est tout. Hein. Hop. Bon, qui est là. Mais bon, c'est des maths. Beaucoup d'entre vous. Même des petits, quoi, c'est un calcul très simple que je vais peut-être pas savoir faire. Alors devant vos yeux ébahis. On va apprendre les coordonnées d'un interpelle. Alors, Zephyr, à un moment, avait montré un truc sur internet pour le faire. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je préfère le faire un petit peu comme ça. Alors, on va se mettre peut-être bien dans le coin du bloc pour pas fausser le calcul. Voilà. Alors là, je suis en 93. 41. Parce qu'on a 1,9. Et on va lancer. Alors ça marche pas du tout, ça va tomber dans la flotte. Alors pas du tout du tout. Elle a été détruite, c'est génial. Alors, en gros elle est tombée à peu près ici. Donc qui est 156,42. Putain, elle a été détruite, je suis trop blaze. 156 42. Eh mais je suis tellement deg en fait. La première pouf détruite comme ça, normal. Alors on a vu qu'elle partait par là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner sur le côté. Alors on va aller assez loin. Bon ok. Alors plus vous écartez, plus ce que je vais faire après sera précis. Donc voilà. Alors je m'attends à ce qu'elle parte à peu près par là. Si elle part vraiment tout droit, on est dans la merde. Est-ce que j'aurais fait une série rare à rien? Mais comme je l'aurais fait, bah je serais obligé de vous le publier. Alors là je suis en 112. 218. Et fuck, elle est partie tout droit. Ah, c'est caca! Alors, elle est sur quel bloc, s'il vous plaît? Elle est dans le coin de ce bloc-là. Alors, qui est le 124? 219. Alors, l'objectif, maintenant, ça va être de calculer les fonctions affines. Alors, pour ça, je vais me planquer. Ce serait con de mourir. Alors, je suis désolé, ça va vraiment pas être intéressant pour vous. Ouh, je prends un risque. Mais c'est pas grave, alors on va mettre une petite lumière. Je vais essayer de vous le faire dans le chat, voilà. Donc actuellement, on a pour une seule droite, en fait c'est deux droites si vous préférez. Donc il y en a une qui a les coordonnées 93, 41 pour premier point, et le deuxième c'est 156, 42. Voilà, c'est ça. Bon, pourquoi je l'écris dans le chat? Je suis un peu boulé. Alors on va essayer de calculer, enfin on va essayer de calculer, oui, voilà, combien il faut pour aller de l'un à l'autre. Voilà, ça va nous donner une première différence. En fait, on saura de combien on a monté pour de combien on a avancé. Si on met ça sur un plan 2D, pensez bien que je vais mettre ça sur un plan 2D, bien entendu. Donc on fait 156 de tête, hein, moins 93. Ça nous fait 63. Alors là, je suis en train de perdre tout le monde, c'est hallucinant. Et 42, 41, 42, bah, ça fait 1. Voilà, donc on a avancé de 63 en X. Et on a monté que de 1 en Y. Ça s'annonce pas terrible. Ensuite, deuxième. En le premier point, il y a 112, 218. Et le deuxième, à 124, 219. Ok, alors, je vous annonce. Alors là, je vous annonce que c'est la merde. Parce que vous remarquerez qu'en fait, dans les deux cas,
on a avancé que de 1 en fait, en y. Et donc tout ce que je vais faire après ne sert absolument à rien. Donc on va garder notre première droite, hein, où on est monté de... Non, notre deuxième, je pense que notre deuxième est plus précise. Celle-ci. Donc juste, je vais le calculer très rapidement. Donc on a avancé de 12. Attendez, mais le premier, j'ai dû faire une erreur au premier, c'est pas possible. L'underpearl, elle avance pas de 50 blocs. Hein. Donc pour le premier, j'ai fait une erreur. Donc voilà, donc on garde que le deuxième où j'ai monté de 12 pour 1. Voilà. Alors, parce que le premier est totalement faux. Et donc on va avancer à mort vers où il faut. Alors, c'est par là. Donc on va vraiment avancer beaucoup. Attendez, c'est par où? Fuc. Alors attendez, j'étais là. J'ai avancé de 12 par là. En me décalant que non, voilà. Donc on va prendre voilà, cette diagonale-là et on va aller très loin. J'aurais sûrement pas besoin en fait de faire ce que j'aurais sûrement pas besoin de faire ce que je voulais faire. On va même carrément avancer un tout petit peu en biais, tout en sachant qu'elle est un petit peu sur notre droite. Pour essayer d'avoir une deuxième droite après un petit peu plus intéressante. Alors, je ferai un nouvel essai quand je serai en 400. C'est bien ça, 400. Peut-être même 450. Pas prendre trop de risques, j'ai déjà perdu une underpearl. Allez, va pour 450. Bon, à 500. Bon, allez. Franchement, je préfère prendre de la marge parce que sinon, j'aurais l'air bien con. Wouhou! Ah, la foutre des cactus. Ah, oh shit! J'ai passé déjà beaucoup de temps avec mes histoires de calcul là. Pas grave. Ah oui, je suis déjà à 500 passé. Pff, lol. Ça passe trop vite quand on s'amuse. Alors là, il y a 9 chances sur 10 que ça finisse dans la flotte. Du coup, je vais un petit peu reculer. Alors, on va se mettre en 500. Voilà, 500. 500, 200. Bon, allez, 215. Voilà, 500, 215. 550. 215. Lancé. Où qu'elle est? What the fuck? Ah ouais! Ok. Ouais, donc en fait, elle est vachement loin en fait, le Stronghold. C'est hallucinant. Ça, il est vachement loin parce que je suis vraiment pile de... enfin, je suis en pile dans la bonne direction, quoi. What? Ouais, je pense que je suis pile dans la direction et qu'il est vachement loin. Pff, je voulais vous montrer une technique qui marche trop bien normalement. Quand on est à peu près à 500 blocs du Stronghold, c'est une technique qui marche mais vraiment du tonnerre. Bon, il s'avère que je suis à bien plus de 500 blocs du Stronghold. Je sais aller en 1150, direct. Ah mais en fait, je reviendrai pas sur mes pas si jamais j'ai besoin. Enfin, je retrouve des ressources là-bas. C'est beaucoup trop loin. Chut. Bon, alors, de nuit dans le désert, ça me faisait pas peur du tout. Mais alors, de nuit dans les montagnes, je préfère éviter. Bon, 900, c'est bien 900. Hop, 900. 940. Voilà, 900. 940. 940. Lol. Elle a à peine dévié, quoi. Ok, d'accord. Tout va bien. Mince, j'ai pas pris mon blé.
Là, faut que je me trouve un cheval, là. Elle est vraiment trop trop loin, le Strangle. C'est sale. Waouh, hallucinant. Ah ouais, en fait, je me laisse, là, je comptais... arriver dire bonjour, on cherche le Strangle, c'est parti. Mais en fait, il est tellement loin, mon Stronghold. Ah, je sais hein, que le Stronghold c'est loin. Mais enfin, voilà quoi. C'est-à-dire que même en décalant de quasiment 100 blocs sur le côté, et en avançant de 500 blocs, Underpal part toujours quasiment dans la même direction. C'est-à-dire qu'il est vraiment super loin quoi. Il faut au moins que j'avance jusqu'en 2000 là avant d'en retirer une. Ça sert même à rien que je retire une avant 2000. Enfin, en réalité, 1800 ça devrait suffire, mais. On va s'assurer quoi. En plus, j'ai encore une fois carrément décalé, bah ouais, j'ai contourné la montagne. Ouais, je cherche même pas les Undermen là. Objectif Stronghold. S'il faut des Undermen, bah je ressortirai. Hein. Ouais, il m'en faudra en fait, j'aurais peut-être dû essayer d'en avoir quand même. Tant pis. Salut l'araignée, salut les lapins, salut les zombies, salut les squelettes, mais il y en a du monde ici. Des creepers là-bas, je crois. Sale. Très très sale même. Une savane, peut-être une chance de trouver un cheval, je crois, dans les savanes, non? Parce que là, il va au moins me falloir ça. Pas d'Underman. C'est bien, c'est que sur cette map-là, je manque pas de désert, en fait. Hein. Carrément. La 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 la. T'as mis un masse araignée quoi. Oh non, pas lui. Je suis obligé de te tuer toi. Ah bah non. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un free fight là. Alors 1660 tiré. Oh! Oh! Je l'ai passé. Oui, je me rapproche de mon objectif. On va faire comme juste prix, non, on va aller en 1200. C'est la misère hein, comme se balader de nuit. J'aime pas de pelle quoi. Je suis très. Enfin, ici je pourrais vraiment pas avoir de pommes. Ouais, ça avance moyen. Je suis bien stuff. Enfin, j'étais bien stuff. Depuis le temps, j'aurais pu être beaucoup mieux stuff. Et l'environnement où le Stronghold. Pas spécialement propice à ce que je cherche quoi. Moi bon, les monstres complètement buggés, hein. Franchement un peu déçu à ce niveau-là. Alors l'Underman, on va avoir un problème à l'Underman, d'ailleurs j'ai oublié d'en prendre une. C'est que bah les... à l'Under Dragon, c'est qu'il sait les Underman en fait, le problème de l'Under Dragon. Donc une astuce très simple, que je vais vous montrer. Ok là, il peut être pas mal... NON oh. Ah. Oh. Je suis après le trou. Ok, flèche qui a pas envie. Toi, tu es à moi. Tu m'as rien droppé, salaud. Oh non, mais c'est dans le... C'est dans la montagne. Ouais, mais pourquoi j'ai un Stronghold aussi moisi?
En plus, si j'utilise une pierre là, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle rentre dans la montagne et que je la retrouve plus jamais. Génial. Aou, 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 aou. Je suis déjà mort comme ça, hein, donc rigolez pas. Oh. Wow. Et il était intact avant que je commence à chasser les Endermen. Bon, à partir de maintenant, je pourrais utiliser la technique dont je vous ai parlé. Mais bon. Enfin, je veux dire, je suis tellement proche là que ça sert plus rien. Ça sert vraiment plus rien. Cette technique est vraiment moisie. Je pensais, enfin, c'est ce truc que j'ai trouvé un peu moi-même, quoi, en repensant à mes cours de maths. Oui, je repense à mes cours de maths tous les jours. Mais que dalle, en fait. Fait chier. Non. Ok, voilà, je suis vraiment tout prêt, alors. Ok, bah, je vais pouvoir commencer à creuser, hein. Je suis vraiment tout prêt, donc... Voilà, c'est parti. Alors, normalement, au fond, je devrais trouver tout ce qui me manque. Théorie. Ça va être de nouvelles aventures, hein, là, très clairement. Arriver dans le Stronghold, ça s'annonce très très palpitant. Surtout la manière dans laquelle j'arrive. Bon, j'ai 6 yeux, je doute très fort que ça suffise à combler les trous. Mais bon. On perd pas espoir, hein. J'ai quelle hauteur là? 44, ouais, bah, je peux encore creuser un moment. Ah, une pierre de Stronghold. On y est. Surprise, c'est moi. Ok. Bon, ça va, un Stronghold comme ça, moi ça me dérange pas. Hein. En mode YOLO là. En mode je cherche la bibliothèque à l'arrache. Par là y'a rien. Confirmé. Par là y'a rien. Voilà, par là y'a rien. Ensuite. Non! Non! Oh non! C'est mort, je la récupère elle. Salope. Où es-tu? Oh non! Méga fail quoi, attends, il faut que je le vire. Oh non! Alors là, je suis mad. Genre très très mad. Elle est là, elle est quelque part en plus, hein, mais. Une jolie pierre piégée, une deuxième jolie pierre piégée, yes, ça commence. Oh non, je suis blaze. Mais où qu'elle est? On a dû casser, hein. En tout cas, c'est par là qu'il faut que je cherche. Coucou toi. Slowness, normal. C'est le plus casse-couille au monde. Là, je suis un tout petit peu concentré pour rien vous cacher. C'est vraiment, je suis passé vraiment tout près du truc. C'est parce que limite, si jamais j'écoute mon Etherpearl, c'est plus haut quoi. Donc, si c'est plus haut, je suis vraiment passé à côté. Oh non! Non, 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 on dégage. On dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Ça va bientôt être la fin de cet épisode, pour être tout à fait honnête avec vous. Je voulais rentrer dans...
Non, le truc s'est fait. Hop là. Hop là. Voilà. Très intéressant. Je suis prêt d'en récupérer. Oh non! Qu'est-ce que je peux virer? Ouais, bon, ok, tant pis, c'est pas pour rien faire. Ah, par là, si je suis mon underpearl, c'est par là. Ah, mais qu'il est le spawner là. Voilà. Ah ouais, il y aura le spawner à Silverfish aussi donc, que je devrais casser. Bon, je récupère pas le spawner à Silverfish, hein, faut pas déconner. Bon, bah, on va descendre d'un étage. Bien que je pense que ce soit plus haut. Hey! C'est coucou! 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 Et merde. No brain. Alors. Coucou. Non, je pense qu'il te combat toi. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Yeah! Aïe, c'est embêtant ça. Va falloir que je répare mon armure, fais chier quoi. Bah, je vais être obligé. Pris trop cher l'armure. En même temps, vu comment je joue en mode YOLO là. Je peux comprendre qu'elle a pris très très cher cette armure. Cette armure, elle a pris très cher. Aïe aïe aïe. Bon, ok, ça c'était l'autre côté, il y avait rien. On va aller voir par la petite porte. Donne rien. Les grottes peut-être, je sais pas. On se doit donner sur un autre bout du Stronghold, c'est pas possible ça. C'est grand un Stronghold normalement. Alors ce serait vraiment que je suis. Oh, de l'or! Bim! M'aide à miner en plus. Trop cool. C'est mon pote le creeper. Bon, en fait, honnêtement, hop! J'ai pas l'impression qu'il continue plus bas en fait. C'est un souci. Ah, peut-être par là, tiens. Eh ben non! Eh ben non! Bon alors, il y a une immense bibliothèque à trouver et une salle. La salle du portail et la bibliothèque, c'est quand même une salle assez grande. Donc je dois vraiment être sur un bord pour pas les trouver. Qu'il est petit portail. Il va y avoir papa. Bon, bah je pense qu'on a assez navigué dans ce Stronghold pour aujourd'hui, les amis. Je pense que je vais devoir vous laisser là. Je pense pas en fait, j'en suis certain. Je vais devoir vous laisser là jusqu'à en savoir plus. Ah, une issue de secours. Hop là. Ah! Aussi bien lui que moi là, hein. On est tous les deux très très loin du cerveau. Ah, c'est un peu la flip quand même, se balader là-dedans. Ah, c'est pas la flip là, c'est un petit peu vénère. Mais où c'est-il? Mais où c'est-il? Ah! Il y en a partout! Crève! Ah! Est-ce que je suis descendu? Oui, bien sûr, évidemment. Pourquoi je ne serais pas descendu? Voyons.
J'essaie de retourner au début parce qu'en fait au début du Strong, il y avait un truc sympathique que j'ai préféré attendre avant de visiter, que j'aurais peut-être pas dû parce que oui finalement bah. Ah, il me paumait. Non, y a rien en dessous. C'est une stratégie comme une autre, hein, essayer de creuser au pif. Enfin, une stratégie qui a déjà fait ses preuves, hein. De nouvelles salles. Encore de nouvelles salles vides. Ah. Salle vide, salle vide. Ok, salle vide. Ok. Ok. Ok, rien d'intéressant. Au calme. Putain, j'ai perdu la masse en plus de. Je suis trop deg. J'ai perdu masse en underperle. On avait 9, il me reste 5. Deux perdus bêtement. Enfin, une perdue très bêtement, une un peu moins bêtement, mais perdue quand même. Ah non! Si on voit des choses plus haut. J'ai presque envie de relancer une underperle pour avoir une direction, mais. Est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? Ok. Meilleur faux espoir au monde. Je me trouvais mon portail. Je veux trouver la bibliothèque surtout en fait dans un premier temps. Toc. C'est pas moi. C'est pas moi. Oh. 1, 2, c'est là d'où je viens. Coucou. Oh, mais c'est trop la misère en fait. Je pense pas que j'allais galérer comme ça à trouver. Oh, mal foutu en fait ce truc. Aïe aïe aïe, mais. Il est nul à chier ce stronghold. Bon allez, petite dernière underpearl. Non, je vais la perdre, elle est entrée dans les murs, c'est obligé. Non, c'est mort, je vais la perdre. Oh! C'est la rage quoi, sérieux. Tellement la rage. Ah ouais, tu t'es là, tu penses toucher au but, mais en fait que dalle quoi, y a que dalle. Ah des gouttes. Oh. Gros raccourci. Je suis à quelle hauteur là? 29, ouais, encore bien qu'il y ait des trucs en dessous. Hein. Bon, peut-être pas autant en dessous quand même. Peut-être pas exagéré non plus. Hein. Bon. Ok, bah ouais. Je suis trop mad. Trop mad. Mais franchement, j'ai vraiment pas de bol dans cette deuxième partie de ma saison là. Première partie, elle s'est passée, mais sans encombre. Easy. Premier stuff, mais genre les doigts dans le nez. Mais voilà, dès que j'arrive dans les trucs un petit peu plus. En théorie facile. Enfin, facile, non. Je veux dire, un peu plus évident. Hein. Personne n'était bloqué dans un stronghold. Personne, tout le monde trouve toujours la sortie du stronghold du premier coup. Non, bah non, pas moi. Il y a une bibliothèque géante à trouver. Et une salle du portail immense. Comment je fais pour trouver ni l'une ni l'autre? Sans deck. Je dois pas chercher au bon endroit en fait. Jamais sous moi, jamais sous moi, jamais sous moi. Oh, un mur. Oh, une salle déjà visitée.
Là, je suis à 26. Il n'y a plus à avoir grand chose en dessous de moi. Par contre, je pense que je suis déjà vachement bas là. Je pense que je vais ressortir et relancer une enderpearl pour essayer de recentrer un peu ma recherche. Je sais que c'est vraiment la loose, mais je dois le faire. Alors, je trouve vraiment une caverne immense. Genre là. Mais c'est pas si immense. Trop de chance de perdre mes enderpearls. Ah, c'est chiant. C'est très chiant. Et je tourne vraiment en rond là en plus. Hein. Au début, je pensais réussir. Oh. Oh oh oh. Attends, alors là pour le coup. Attendez, là pour le coup. Je suis pas sûr du tout d'y être allé. Ah si, carrément en fait. Je suis déjà allé dans tout ce bordel. Bon attendez, on va essayer un truc. On arrive ici, on arrive là. Là il y a une salle de merde. Pouf, adjugé une salle de merde. Ensuite de l'autre côté il y a... Que dalle. Le truc le plus normal au monde. Ensuite je descends. C'est là où c'est l'arnaque en fait. Tu descends ici et là il y a vraiment... Mais que dalle. C'est ici l'arnaque. Ah. Ouais, ça c'est un autre passage. Attendez, si ça c'est un autre passage. Ah, c'est le passage où j'ai dit qu'il n'y avait rien. Yes. Je retourne au début. Je suis retourné au... Oh non! I'm blood. Je suis deg. Deg. C'est trop cool. J'adore les... Ah mais non! Pourquoi est-ce que je continue à filmer alors que je vous ai dit la prochaine, sérieux? Pourquoi? Parce que j'aime me faire du mal. Bah oui. Évidemment, ça va pas être une autre solution. J'aime me faire beaucoup de mal en cherchant. En fait, moi je suis typiquement le mec, quand il y a un truc qu'il ne trouve pas, il peut pas s'arrêter de chercher en fait. Il va continuer à chercher, puis à chercher, puis encore à chercher aussi. Puis jusqu'à ce qu'il trouve pas, mais quand il trouve pas, il cherche quand même. Du coup, je peux être très très chiant. Dans ces moments-là. Et comme j'ai promis de tout vous filmer, j'ai pas envie de filmer. Enfin, j'ai pas envie de ne pas filmer ma recherche. Parce que ça pourrait devenir une trouvaille à n'importe quel moment. Non, mais je venais d'où à ce moment-là? Je venais de par là. Ok, on est d'accord. Si je venais de par là. Moi, je suis rentré par là, je crois, dans le truc. Quelque part par ici, là. Non, même pas. Non, pas du tout en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Ah, je suis perdu. Bon, ok, alors on se laisse là. Je vous dis rendez-vous à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode laborieux. Voilà, ce sera le commentaire. Si vous trouvez que c'est laborieux, bah mettez laborieux dans les commentaires. Et puis je tâcherai de faire mieux pour la prochaine fois. Hein, tout simplement. Alors petit rappel quand même, hein, si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, vraiment. Surtout nous on en est avec Eddie, on n'est pas des gros youtubeurs, et quand on sait qu'on a une petite communauté qui nous suit, bah ça motive, voilà. C'est clairement ça motive. Surtout en ce moment on est en train de vous préparer du contenu pour vous, hein, clairement, c'est pas du contenu pour nous, notre promo, machin, tout ça, c'est des maps jouables. Tout simplement qu'on est en train de faire avec les apôtres. Donc forcément ça demande beaucoup de boulot. C'est pour ça que je suis moins présent en ce moment sur YouTube. C'est pour ça que je fais plus tellement de vidéos en mode voilà, je vous montre mes systèmes. Parce que je peux pas vous montrer ce que je fais en ce moment. Voilà, il y a trop de personnes impliquées. Donc je n'ai pas le droit de vous montrer ce que je fais. Et ouais. Mais je vous montrerai un jour ou l'autre, hein. Ça c'est clair et net. Et pour l'instant, voilà, il faut faire avec. Faut faire avec le fait que Tagazok en ce moment soit absent de YouTube, si ce n'est il y a cette petite série qui sert vraiment à rien. C'est pas la série du siècle, hein, on est bien d'accord.
Bah voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à rajouter. Et ben, la prochaine fois, je parie qu'on va chercher. Hein, je pense qu'on va faire ça. C'est bien là, ça. Salut!